Bien, c'est tout le monde, c'est comment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e épisode sur Pokémon version jaune en Nuzlocke anniversaire. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le centre commercial. Alors pourquoi? Eh bien, parce que tout d'abord, j'ai acheté la petite. Oh, tu descends plus vite, oui. La pierre plante pour pétale. Donc, je pense qu'on va l'utiliser dès maintenant. Mais c'est pas pour ça que je suis... Enfin si, c'est pour ça. Mais pourquoi on se retrouve là-dedans? C'est parce que j'ai découvert qu'on pouvait acheter des CT. Et ouais. Et avec la thune qu'on a, déjà on va acheter Super Potion. Ah, il est vachement beau le sprite de Rafflesia. Donc on va acheter des potions et on va acheter toutes les CT possibles. On va voir ce que c'est. Attends, bon, on va se faire arnaquer mais en beauté. Donc on va d'abord acheter tout ça. Donc ça, plus ça coûte cher, mieux ça doit être, je pense. C'était 17, c'était 0,9. On va acheter tout. Genre, on fait des riches. C'était 5, c'était 1. Hop, on prend tout, tu vois. Ah, t'inquiète pas, je veux. Ça doit être mis en lumière protection. Donc, on va éviter. Ou abri, je sais pas. Ah, l'inventaire est plein. Ok. Donc, on va tester les CT qu'on a achetés. Alors, la CT 0,5, c'est Ultiwamashi. Ouais, c'est pas ouf. Il y a Alpha qui peut apprendre ça. Ouais. La CT 09, c'est Bélier. Donc, on a déjà Damoclès. Maintenant, tout le monde peut apprendre ça. C'est pas dégueulasse. On va donner ça à Color. C'est pas dégueulasse. Parce que Color tape assez fort. Donc, lui donner ça, c'est plutôt cool. On va virer Rugissement. Maintenant, Color t'apprend une attaque feu, peut-être. Ensuite... ça, on va jeter la Pokéball. Adieu, Pokéball. Tu aurais été si utile. La CT 17, c'est Sacrifice. Est-ce que c'est une attaque de type combat? Alpha, il peut tout apprendre, c'est monstrueux. Donc, on va essayer une autre CT. On va voir la CT 32, ce que c'est. Ça coûte que 1000. Hein. Ouais, comme vous avez pu remarquer, j'ai également vendu... Reflet, ok. Oh, Reflet, ça peut être pas mal. Ça peut être pas trop dégueu. On va apprendre ça, je sais pas. Bah, vas-y, à Newton. On va lui apprendre. À la place de charge. Bon. Parce que de toute façon, je vais jamais utiliser charge. Bon, après, vous allez me dire, je vais peut-être jamais utiliser reflet. Alors, je vais acheter, c'était 33. Donc, voilà, c'est l'instant course. Alors, hop. Non, en vrai, on n'a plus besoin de cordes sorties, on n'a plus de grottes avant un moment. Je crois pas que les cordes sorties marchent dans les bâtiments. Ok, protection. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on va prendre quand même, tu vois. Mais... Ah, il y a pas mal de poké qui peuvent apprendre ça. Genre color. Genre pétale. Mais en vrai, protection, ouais, ça peut être utile. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne comme dans les anciennes, comme dans les chaînes actuelles ou pas? On va virer poudre toxique, c'est pas si ouf que ça. Ouais, on va peut-être apprendre plusieurs protections, tu vois. Et puis, ouais. On va vendre des cordes sorties. Ouais, bon, l'instant course, c'est pas ouf. Hein, je joue la corde. Alors, protection, on va en prendre 3. Et on va essayer, là, c'était 2. Ok, donc, alors, les protections, protection pour tout le monde, hein, c'est protection partie. Hein. Sortez couvert, d'ailleurs, voilà, petite transition, mais ouais, sortez couvert si vous le pouvez, enfin, si vous pouvez, même vous le devez, c'est important. Alors, on va faire ça avec Léviator, tu vas m'oublier charge. Hop, voilà. On continue, on va apprendre ça à, comment il s'appelle, à Newton, à la place d'Ultrason, parce que bon, Ultrason, qui utilise cette attaque? Franchement, personne. Après, vous allez me dire, protection, c'est pas forcément terrible aussi. Enfin, c'est déjà mieux. Ensuite, le dernier pour Color. Color, une petite attaque feu, ça te dit pas, peut-être? Voilà, ensuite, donc Color. À la place de Mimique ou jet de sable, allez, jet de sable.
On va se respecter un petit peu. Voilà, la découverte des CT. Alors, la CT02, c'est coupe-vent. Bah oui, je suis bête, on l'a vu dans l'épisode précédent. Ouais, donc on va la revendre, concrètement. Bon. Le mec, je viens de lui acheter 2000, il me la reprend 1000, il n'y a aucun souci, tu vois. Je dis pas non. Ok, donc c'était 07, 37, c'était une, je sais plus si je l'ai acheté, je crois pas. Donc c'était 02, c'est fait, c'était 07, ça. Et attends, on va y voir, c'était 37. On va voir. Ok. Alors, objet. C'était 05, c'est Ultiwamashi. Je crois qu'il... Je sais pas si je l'ai déjà appris. Hey, je perds la mémoire, mais c'est ouf. Ouais, non, ça me dit pas trop. Ne pas apprendre, ouais. Enfin, c'est moins précis qu'Ultima... Enfin, ça a plus de puissance, mais c'est moins précis. Bon buff, ok. Non, mais t'as 3 Poké dans cette gêne-là qui apprennent bon buff. C'est Noix de Coco et Neneuf le Vénard. Attends. T'oses me vendre ça, quoi. Attends, bah, les deux, on va les revendre. Est-ce que je me fais arnaquer un petit peu? Heureusement que je suis riche. Hein. Encore, c'est pas une raison. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des CT. Parce qu'on va pas faire un épisode où je fais que ça. Voilà, c'est tout. Alors, il y a des Super Bowls. Donc, on va acheter ça. On va en acheter plein. On va en acheter 10. En vrai, je suis plus parti pour 20, mais au moins, c'est fait, tu vois. On va en acheter 20 aussi. Non, peut-être pas quand même. Bon, allez, 15. Bon, allez, 20. Ah, je peux en acheter... non, j'allais dire, je peux en acheter 99, mais non. Allez, on en achète 20, on se met bien. Et voilà. Voilà le travail. Donc maintenant, on va aller direction l'arène. Je pense que... Putain, 7 minutes. 7 minutes dans un magasin. Oh, mais c'est tellement chiant. Si vous êtes encore là, bien joué. Ah, parce que... Ah, je l'aurais pas fait. Donc, la boîte de casino, je crois que c'est ce type-là qui la donne. Vas-y, rigole. J'ai plus une thune. C'est pas marrant, hein. Je te prends ça et surtout, perds pas tout ton blé. Ok, donc on reçoit la boîte jetons. Enfin, t'arrives quand même à manger au resto. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Comme une bonne personne bien chiante qui dit, je dis ça, je dirais. Pétale. Ok, bon, de toute façon, pétale, tu peux rien apprendre. Oh, c'est pas grave si t'as coupé. Oh, mais ça m'embête quand même d'apprendre des CS à des pokés comme ça, tu vois. Bon, de toute façon, qui va pas être utile dans cet épisode? Oh, mais arrête! Oh. Non, je veux pas que t'apprennes, ne pas apprendre coupe, voilà. T'as pas appris coupe. Eh, n'empêche, Nidoking, il peut tout apprendre, tu vois, il peut apprendre surf, il peut apprendre tonnerre, il peut apprendre sacrifice, tu vois. Mais par contre, coupe, il peut pas. Genre, ça, c'est un des mystères de Pokémon aussi. Le mec, il peut tout faire, par contre, couper un arbuste, c'est au-dessus de ses moyens. Alors qu'il peut, il peut faire lance-flamme pour le détruire, tu vois. Alors, on va déposer un poké. Je sais pas qui. On va déposer Léviator. Alors, on va stocker l'arnaque. Et on va retirer... Eh, j'allais dire j'ai pas mal de poké, mais non. Ah si, tout ça, c'est à moi. Le mec qui découvre. Ouais, enfin, Flamish, je peux pas le prendre. Hein. On est d'accord. Bigachu, il est mort, donc il doit pas être dans cette boîte-là. On va prendre Rob, parce que c'est celui qui a coupé. Et c'est vrai que je peux avoir un grand doudou. Enfin, je sais pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi également si Rondoudou vaut le coup. Parce qu'au cas où on aurait une mort. Bon, après, d'ici là, j'aurais peut-être capturé Ronflex, je sais pas. Mais ça peut être sympa. Alors. Allez, Ronflex, il faut couper comme ça. Hop, coupe. Rob a tout coupé, il est trop fort. Le mec, c'est un ciseau.
Alors, on va à l'arène avec, je suis sûr, il y a le petit vieux là qui a pris coupe. Hein. Le mec, il a été battre Pierre à Argentage juste pour... Ah bah non, il est pas là. Ah si, il est là. Cette arène est terrible, il y a plein de meufs. Eh ouais, meuf, eh ouais, il y a plein de go. Ah là, on est dans l'arène. On va voir le sprite de Rafflesia. Allez, on se plaise. Et toi? C'est interdit par ici. C'est une arène 100% féminine. La fillette veut se battre, y a pas de souci. Alors, Chetifleur, ok. Tu vas voir, moi je suis un peu supérieur, j'ai pétale. J'ai le Rafflesia. Allez, acide. Waouh, ça, ça fait des dégâts quand même. Oh, ligotage, ça miss. Ok, c'est parfait. Mais écoutez-moi ce bruit, un G, c'est... C'est particulier, c'est un son. Mais oui, c'est vrai que les sons AG, c'est quelque chose que je répète, peut-être épisode par épisode. Mais au niveau 31, c'est bien. C'est quelque chose qui est unique et qui, qu'on ne retrouvera plus finalement, génération après génération. Là, par contre, c'était peut-être... Oh là 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 là, les dégâts. Non, non, ça marche pas. Oh, je kiffe. J'aime bien, ah, j'aime bien. Voilà. Le Boostifleur est KO. En vrai, j'ai limite envie de me faire l'arène avec Pétale. Mais on va pas forcément le faire. On va prendre Color. Je suis toujours pas retourné au centre Poké. Ok. Et toi, t'as une vue de merde. Hein. T'as la même vue que moi, toi. Hey, je suis belle. Hey, t'as vu comment je suis trop bonne. Oh, la gueule du canon. Ok, t'as peut-être une jupe au ras de la salle de billard, mais par contre, t'as une gueule assez vieille. Ah, mais ouais, si tu misses, ça va pas être drôle. Ok, aucun effet, c'est bien. Ouais. Non, mais... Genre, tu loupes deux béliers. Tu apprends une nouvelle attaque, t'es même pas foutu de savoir la faire. C'est hallucinant. Bon, par contre, là, avec le Volvi, il en a encore pour un petit moment. Ah, mais hey, il va dormir toute sa vie. Genre, toute sa vie, il dort. Bon, lui, il a intérêt à avoir 70 pp. ça va être compliqué. Ah, quoique, parce que dans cette génération, vous m'avez dit que, bah, en gros, l'ordinateur a des PP illimités. Donc lui, ses Volvi, il les a à foison. Ah, donc il peut vraiment mettre KO comme ça, tu vois. Ah, il se réveille, enfin. Et là, derrière, t'as pas intérêt à louper ton bélier. Ah, voilà, ça fait des bons gros dégâts. C'est ce qu'on veut voir. 351 Chetiflor. Regardez-moi la puissance de ce vive attaque. Ouais, bon, je pensais que ça allait tuer, tu vois. J'étais en mode, t'as vu comment c'est costaud. Tu parles. Bon, là, le ligotage va faire ses dégâts. C'est une petite potion. Super potion. 35 PV, ça se prend. Il va continuer son ligotage. Eh, mais quand même, avoir un poké de type feu pour une arène de type plante sans attaque de type feu, je sais pas, c'est comme si t'avais une voiture, tu vois, tout va bien, mais t'as pas de moteur. C'est compliqué pour avancer quand même. Bah là, c'est à peu près ce qui arrive. Là où normalement j'aurais dû le mettre KO, je le mets pas KO. Ok. On progresse. Misterbe. Allez, bélier. Eh, mais il me saoule. Voilà, là c'est efficace. Eh, 3 béliers sur 4 et j'ai l'impression de jouer avec Empalcorn. Allez, hop, bélier, ça dégage. Bien. Mais regardez-moi, déjà, c'est un pouce. T'as vu?
Sa robe, c'est un t-shirt. Elle a des vieux cheveux blancs et une sale tête. Bref, pas la même vision du canon. En vrai, j'ai envie de remettre... il faut faire XP Color aussi. Mais j'avais plus envie de remettre Pétale. Mes jolis petits Pokémon, c'est des plantes sont si faciles à faire évoluer combat. Ah, t'imagines si dans la vraie vie c'était comme ça. Ouais, tu vas aborder une fille comme ça, elle te parle. Ouais, moi, dans la vie, c'est les chevaux, ils sont doux. Allez, combat! Ah, mais ah, tu deviens fou. Tu lui mets un headshot, là. Ah, c'est pas possible. Ok, donc chez Tifleur et Out, les niveaux sont de plus en plus hauts. Je pense que pour Erika, qui est la championne, on sera juste comme il faut. Ni plus ni moins. Bon, par contre, si je dois perdre 20 PV à chaque Chitifleur battu, ça va pas être marrant. Elle essaie d'apprendre... Ah, j'étais déçu. Morsure, ok. Ouais, bah, y a pas de souci pour morsure, mais c'est Flamèche que j'aurais voulu. Bon, en vrai, tu sais quoi, on va virer Bélier. Parce que Bélier, c'est bien marrant 5 minutes, mais bon, si je dois mettre des potions toutes les 30 secondes, c'est pas rentable. Ouais, puis surtout si elle te fait ça derrière, quoi. La meuf, elle te fait un bain de bouche pour te répondre. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, alors j'ai envie de dire, quand tu vois certaines phrases, tu sais à partir de quel moment l'orthographe des jeunes a décliné. Oh, là, j'aurais mieux dû fermer ma gueule, moi. C'est à partir de quel moment l'orthographe. Ah, déclin, ouais. Ouais, je crois que c'est déclin. Oh non, vampire. Non. Et morsure. Voilà, ça tue, c'est bien. Air bizarre. Ouh. Allez, on va faire appel à Pétale. Air bizarre. Eh, ça devient sérieux. Ok. Ah, c'est pas ouf. Hein. Bon, lui, il peut rien me faire, tu vois. Donc, on va l'achever comme ça, coup d'acide, tranquillement. Il perd en def, ok. Oh là là, ça fait rien. Et voilà, on achève l'air bizarre. Et on a vaincu cette fillette. Tout perdu. Ah, il faut demander à Rob de le faire. C'est interdit aux Pokémon insectes ou du feu ici. Ah, tu m'étonnes, hein. Tu fous le feu à l'arène. Je te parle pas en termes d'assurance. Hein. Alors, Mister. La morsure, peut-être que ça tue sans avoir besoin de faire Bélier. Même pas. En vrai, j'aurais dû laisser Bélier, tu vois. Ah, les couleurs, c'est un peu la déception. Tu m'apprends lance-flamme quand? Ah, pas avant le niveau 47, vu que t'as appris une attaque maintenant et qu'on est en première génération. Ortide. Ça va. Au moins, il entre guillemets, il esquive les attaques, donc c'est plutôt cool. Voilà, 149, il passe même pas au niveau suivant. Oh, vilain! Ok. Bienvenue dans l'arène de Céladopole. Les filles sont plus fortes que les garçons. Ok, oui. Mais c'est bien. Oula, par contre, quand tu dis ça avec un fouet dans les mains, moi, ça me fait beaucoup plus peur, tu vois. Ah, je suis moins confiant, tu vois. On va se calmer tout de suite. Alors, morsure. Et ben voilà, coup critique, ça tue. Plutôt cool. Et tu passes au niveau 31. En même temps, avec tout l'XP que t'as pris. Ortide.
Ok. Bon, après, c'est ton principe dans la vie, tu vois, c'est de faire ça. Je sais pas si si poudre de dos peut endormir un type plante. Toxique, voilà. Allez, acide et... Je sais pas si on en parle plus. Allez, montre qui c'est le papa, Aflesia. Et enfin, Herbizarre, ok. Allez, on va amener Alpha. Boum. Oh, vampire. Allez, Mania. Boum, la furie du Nidoking. Ah, ça tue pas, ça tue pas. Ouais, en première génération, il faut savoir que à chaque fois que t'attaquais, bah, c'était la vampigraine qui te volait des points de vie. Ça faisait pas à la fin de chaque tour, il me semble. Oh, pourquoi? Donc là, non, théoriquement, la prochaine serait Erika. Mais non. Donc, on va prendre un Newton en première position. Toi, je vais t'écraser comme une puce. Ah. Canon veut se battre et fait appel à 9. Oh, il est beau le 9. Il est beau, il est bien fait. On va faire protection. Augmente sa protection. Ah, toi aussi, tu fais pareil. Alors, on va faire éclair, voir ce que ça fait. Bon, c'est pas ouf, hein. Par contre, ça paralyse, donc ça, c'est plutôt cool. Hypnose. Ah, je me réveille, ça, c'est bien. Par contre, tu peux pas tout le temps le faire. On va faire Sonic Boom. Voilà, c'est un peu plus efficace. Bon, spam protection, si tu veux, moi, ça m'arrange bien. J'aurais peut-être dû faire un petit reflet, je sais pas. Il est paralysé et on l'achève. Ok. Alors là, j'hésite à me soigner au centre Poké. Bon, concrètement, après, c'est pas compliqué pour revenir, donc ouais, on va le faire. On va se soigner au centre Pokémon, j'ai pas forcément l'habitude de le faire. Ah, il faut couper. Ah oui, ouais, oui. Moi je cherche mon topiqueur dans la boîte objet. Ouais, je suis un génie. Ah, mais lui, il devrait être arrêté depuis longtemps, il y a des fillettes en plus. Bon, il y a peut-être des canons, mais il y a des fillettes, quoi. La police, elle fait rien. La meuf de Carmin sur mer qui donne des carapuces, elle peut pas venir à Celadopol et arrêter le type. D'ailleurs, il n'y a pas de prison dans Pokémon. Je crois pas. Ouais, c'est original. T'as de la police, mais t'as pas de commissariat et t'as pas de prison. Moi, peut-être dans l'animé, j'en sais rien, je regarde pas. D'ailleurs, entre nous, Sacha Nobi, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi tout rapporter à l'animé? On n'est pas tous fans de l'animé, de une. Bon, après, je sais que Pokémon, ça se destine plus pour des enfants quand même, mais Sacha Nobi, quoi. Sacha Nobi, franchement. Enfin, je trouve pas... Bon, ok, le Greninja, il est stylé, mais bon... T'es pas obligé de tout rapporter à un dresseur qui a finalement jamais gagné la ligue. N'oublions pas, quoi. Ouais, mais n'hésitez pas à me dire, bon, vous avez mon avis, donc bon, ça va peut-être en influencer certains, je sais pas, mais ouais, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Sacha Nobi. Si vous trouvez stylé, est-ce que vous trouvez ça bon? Est-ce que c'est normal que ce soit Greninja qui soit associé à comment dire, à Sacha? Ce que je trouve quand même, enfin, la logique aurait voulu que ce soit un Pikachu qui reçoit cet effet spécial de lien particulier avec Sacha, mais bon. Enfin bref, on est devant la championne et on va commencer avec Dracula. Bonjour et sois le bienvenu. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chou, non? Moi c'est Erika, la championne de l'arène de Celadopol. L'arrangement floral est ma spécialité.
Mes Pokémon sont du type plante. Il fit grand froid à hiver, alors j'ai mis un pull. Eh, hey, mais toi t'es. Hey. Erika, c'est le genre de championne d'arène qui, sur son mur Facebook, elle doit te raconter sa vie, mais ça doit être ouf. Ah, tu veux te battre? Bah, dis-le, mon vieux, tu sais quoi, tu vas perdre. Et qui, en plus, quand tu lui dis, c'est bon, tu peux fermer ta gueule, eh bien, elle prend la mouche. Et pourtant, elle a l'air super calme. Ok, sac de nœuds. Niveau 30, ok, ça rigole pas. Il devient dingue, ok. Ce serait bien que tu t'annes dans ta confusion. Constriction. Ça, c'est le même délire que ligotage, non? Ah non, ça va. Ah, parce que c'est en deux tours, cette attaque. Ok, sa folie lui inflige des dégâts, c'est pas mal. Ah, ok, ça va aller le coup, dis donc. Étreinte, ça, par contre, c'est le même délire que ligotage. Ah voilà, ok, donc du coup il s'arrête. Bon, du coup on va faire vampirisme. Bon, eh, c'est vraiment pas ouf les damage. Il se sent mieux. Constriction, donc ok. Donc là ce que je propose, c'est de refaire une folie. Qui se blesse dans... Enfin, et ensuite de switcher sur un truc qui pourra le mettre KO. Donc on va switcher sur, bah, sur Pétale, tiens, qui est acide, c'est parfait. Donc là, normalement, ça devrait aller. Voilà, parfait. Comme ça, elle n'utilise pas sa super potion, parce que sac de nœud est quand même assez relou. Elle fait appel à Boostiflore. Ah, j'étais persuadé qu'elle avait genre un Ampiflore. Niveau 32. Ah, mais ça déconne pas au niveau des niveaux. On perd en défense, ok. Ah, je perds de la défense aussi. Bon, c'est pas grave, j'ai amené Color. Color qui devrait mettre KO Boostiflore vu qu'il a une baisse de défense. Alors, allez, on fait morsure, ça devrait mettre KO. Voilà, parfait. Ok. Et Pétale monte au niveau 32, c'est plutôt cool. Fait appel à Orchidée. Ah, elle a pas Boostiflore, elle a pas Ampliflore, elle a pas tout ça. Ok. Ok, donc ça devrait aller. Lui est plus défensif. On fait la petite protection, et ouais, finalement, ça pourrait être utile. Ça, on encaissera mieux l'acide. Large. Bon, je perds de la def, mais c'est pas si grave. A priori, ça devrait le mettre KO. Ah, ouais. On va quand même utiliser une potion. Ça retire quand même la défense assez facilement, j'ai l'impression. Et derrière, on fait morsure et normalement on l'achève avec la baisse. Voilà, c'est parfait. Et on a battu Erika. C'était pas si compliqué, même si les niveaux font assez peur. Oh, j'ai perdu. Bien joué, c'est mérité. Je te confie le badge prisme. Le badge prisme fera obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser force. Prends également ceci. Donc ça, c'était 21. Méga sensu. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. Et ça, ce sera très intéressant. Je pense qu'on va l'apprendre directement à Rafflesia parce qu'on n'aura pas d'autres types plantes a priori meilleurs que Rafflesia durant cette aventure. Donc, même si on perd Rafflesia, eh bien, si ça peut aider Rafflesia à taper plus fort, eh bien, je prends. Mais au niveau des niveaux, c'est quand même sérieux. Et voilà. Alors. On va couper l'arbre, on va aller au centre Pokémon, on va remettre Rob au PC, merci d'avoir été utile. Et on va se laisser là. En tout cas, on aura aussi une bonne arène, on aura récupéré un badge, fait une évolution.
Je pense que c'est plutôt bien. On a fait participer tout le monde à la fête. Tout le monde, mis à part l'arnaque, a été efficace dans l'arène. Donc concrètement, c'est cool. Donc, on va rentrer au centre Pokémon. Donc, je pense que si vous voulez arrêter l'épisode ici, vous pouvez le faire. Il va plus rien se passer derrière. On va juste se soigner et récupérer l'arnaque. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. D'autant plus qu'on n'a pas eu de mort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mort. En fait, on a eu que 3 morts finalement dans l'épisode 5. Après, on n'en a plus du tout. Donc, voilà. Le petit pouce bleu. À partager la vidéo, à laisser des commentaires, à répondre aux questions, notamment sur celle sur Sacha Nobby, voilà, il s'appelle comme ça le bonhomme. Voilà, on va se soigner et on va se laisser là. Merci en tout cas d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, on a fait quand même une longue partie shopping, mais au moins on a pu voir un peu et vous avez pu découvrir toutes les CT. Présente à Céladopole, donc au moins c'est plutôt bien et j'aurais pas fait ça pour rien. Merci beaucoup de votre visionnage, c'était Sycomore, tchuss tout le monde, à la prochaine.